Donc, correction de l'exercice 5 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On est sur un exercice de type bac. Je sais pas, je prends sans doute plus de temps là pour corriger que je ne l'aurais fait en classe avec vous. D'une part parce que j'ai pas vos interactions. Donc, je sais pas si c'est une question qui vous a posé problème ou pas. Alors, je préfère être la plus précise possible. Ici, pour la question 1, peut-être que je vais aller un peu plus vite, on va voir. F de 0. Alors, je rappelle que là, vous avez une fonction f qui est définie dérivable sur 0,20. Donc, elle est représentée par une courbe qui, chez moi, est bleue. Chez vous, vous avez une version papier, ça veut dire sans couleur. C'est peut-être plus parlant ici sur mon écran. Et trois tangentes qui ont été construites en ces points, dont on vous précise les abscisses. Donc, vous avez la tangente en 0, vous avez la tangente en 6, qui est celle-là, horizontale, pardon, et la tangente en 11, qui est celle-ci, oblique, orientée dans ce sens. On vous demande de donner les valeurs exactes de deux images par f et de deux nombres dérivés. Alors, f de 0, je rappelle que ça se lit directement sur le graphique. Est-ce qu'on a un renseignement sur le point A ? Non, on n'en a pas, donc on va se contenter de la lecture graphique approximative et je vais dire que f de 0, ici, d'après ce que je lis graphiquement, c'est moins 5. Et f de 1, c'est à cet endroit, ça correspond au point B et là, ça va être l'ordonnée de B, 0. Ensuite, vous avez deux nombres dérivés, f' de 0, et je rappelle que la phrase est importante, elle peut vous être demandée, on peut vous demander de justifier comme ça, f' de 0 est le coefficient directeur de la tangente, alors ici c'est au point A, à la courbe C, et vous pouvez dire aussi au point d'abscisse 0. Là, c'est équivalent. Alors, cette tangente, que sait-on sur elle? On sait qu'elle passe par ce point, le point A, et il faudrait trouver un autre point de cette droite dont les coordonnées sont lisibles. Et là, eh bien, je n'en vois pas. Je dirais là, ce point-là. Alors, quand je dis « je n'en vois pas », j'essaye de lire, en fait, je cherche des coordonnées qui sont entières. Donc là, ce serait un point de coordonnées, ben, même pas. Si, c'est un point de coordonnées de 7. Donc la tangente ici passe par le point A et par le point de coordonnées de 7. Je rappelle qu'on est sur une lecture graphique, ça veut dire qu'il y a forcément, enfin, qu'il peut y avoir une marge d'erreur et que dans l'énoncé, rien n'est spécifié. J'ai rien changé au texte, je le prends tel quel, manque de précision peut-être dans un énoncé, ça peut arriver au bac, ça arrive qu'on accepte une petite marge d'erreur, donc on est dans ce cas-là. F' de 0 égale, et là pour trouver la valeur du coefficient directeur, soit on passe par dv sur dh, c'est-à-dire décalage vertical sur décalage horizontal, et je rappelle que dans la classe, la plupart d'entre vous, je crois même presque tout, enfin il me semble tout le monde, sait lire le décalage vertical et le décalage horizontal, en tout cas sait lire ces valeurs-là et connaît sa formule. Votre souci n'est pas là, c'est que votre décalage vertical, c'est bien une verticale, donc c'est du bas vers le haut. Horizontal, c'est gauche vers droite. Et je me souviens, il y en a certains qui vont aller intervertir ces deux choses-là. Donc faites attention donc, à ce qu'on appelle l'horizontale et à ce qu'on appelle la verticale. Moi, j'ai décidé là de passer par la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et je donne un nom à ce point pour pouvoir l'utiliser dans ma formule. Un nom qui n'est pas déjà utilisé sur le dessin. Donc on va faire H. Donc F' de 0, ce sera YH moins YA divisé par
xh moins xa. Yh ordonnée de h, 7. Ya ordonnée. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc yh, 7. Ya, c'est l'ordonnée de a, et l'ordonnée de a, c'est moins 5. On fait attention à son signe moins. L'abscisse de H, 2. Et l'abscisse de A, 0. On arrive à 6. C'est un nombre qui est positif. On peut vérifier là sur le dessin qu'on ne s'est pas trompé. On est face à cette tangente-là. On a une pente qui est forte. Si vous deviez monter ça à vélo, vous laisseriez le vélo tomber. Et enfin, moi, en tout cas, je laisse le vélo tomber. Et elle est forte. Et c'est une montée. C'est une côte. Donc, ça sous-entend un coefficient directeur qui est positif et qui est assez fort. Donc, 6. Et pour l'autre, on vous demande f' de 6. Et là, c'est plus facile. C'est le coefficient directeur de la tangente au point. Au point D, elle est horizontale, donc f' de 6 égale à 0. Indiquez si la courbe C admet un point d'inflexion, si oui, précisez ce point. Alors pour moi, elle admet un point d'inflexion qui va se situer à cet endroit-là. Vous avez peu l'habitude encore hein, de les déceler sur la courbe, et puis ben là on n'a pas des conditions idéales pour que je vous montre plusieurs dessins, pour que je vous fasse un petit peu sentir les choses. Je rappelle que ça correspond à un endroit où la courbe va traverser sa tangente. Donc là, on a une tangente qui est au-dessus de la courbe, ensuite une tangente, la même tangente hein, qui est en dessous de la courbe. Donc E est un point d'inflexion. Car la courbe traverse la tangente au point E. Si oui, précisez ce point. On le fait en même temps. Et je pense que... Est-ce qu'on peut en donner les coordonnées? 11, 5,5. C'est pas demandé. Hein. Déterminer un encadrement d'amplitude 4 par deux nombres entiers de i, donc c'est-à-dire de cette intégrale-là. Donc ce qu'on attend de vous, je vous donne un exemple de ce que c'est un encadrement d'amplitude 4 par deux nombres entiers. Je dis n'importe quoi, 11 inférieur ou égal à i, inférieur ou égal à 15. J'ai choisi deux nombres entiers, 11 et 15. Et j'ai une amplitude entre ces deux nombres de 4, c'est-à-dire 15 moins 11 égale à 4. Donc j'ai pris un écartement entre ces deux nombres qui vaut 4. On me demande de faire la même chose avec ce nombre. Je rappelle que c'est une intégrale, et que pour lire la valeur de cette intégrale graphiquement, on peut se servir de l'R à condition que la fonction soit positive. Ici, c'est le cas. Donc i... Comme f est positive, sur 4, 8, i et l'air comprise entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites verticale d'équation x égale 4 et x égale 8.
Je pense que c'est important de l'écrire ça parce qu'on vous demande de déterminer, on ne vous demande pas de donner. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat. On n'attend pas une simple réponse comme tout à l'heure quand j'ai mis 11 et 15. On attend une justification plus importante là. Donc là, entre 4 et 8, alors je ne peux pas assurer moi sur mon dessin. Donc 4 et 8, et on me demande d'amplitude 4. Donc je regarde un petit peu ce que ça donne. Si jamais je devais assurer cette zone-là, sur ce dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc j'arrive à 24 qui sont pleins. 25 et 26, là, ces deux-là aussi sont pleins. 27 presque. 28. Et puis j'ai des petits bouts là, en haut, qui à mon avis, si jamais je les rassemble, vont m'en donner un de plus. Donc je suis à 29. Donc je dirais une aire qui vaut environ 29 unités d'aire. Alors pourquoi unités d'aire? Parce que quand j'ai compté mes petits carreaux là, enfin mes, moi ce sont des carreaux, quand j'ai compté mes petits carreaux, j'ai pris référence par rapport à cette unité sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. Et donc ça c'est une unité d'aire. C'est comme ça que j'ai compté. Alors si on dit 29, on est finalement assez généreux avec moi puisqu'on me permet une marge d'erreur qui est de 4. Alors qu'est-ce que je peux écrire? Il y a plusieurs solutions possibles. Moi j'en mets une. Vous me direz si vous êtes d'accord. Et puis il faut bien imaginer que dans toutes ces corrections, et dans toutes les précédentes, et dans toutes celles qui peuvent arriver, je peux me tromper. Donc là, ça va être à vous aussi de corriger, d'intervenir, de me dire par mail, voilà, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, puisque c'est possible. Donc je choisis 28 et 32, en sachant que je ne suis pas sûre, là vous voyez, j'ai pas le dessin sous les yeux, enfin c'est pas propre, et puis surtout j'ai pas envie que ce soit parfait, parce que si jamais ça l'est, vous n'allez pas réfléchir, et vous allez me faire confiance alors que vous ne devriez pas. Donc entre 28 et 32, ça c'est ce que j'ai décidé de mettre. Maintenant, je préfère éviter le 29-33, parce que 29 c'est approximatif, je préfère m'éloigner un petit peu de cette valeur-là, la valeur frontière, donc je ne suis pas trop sûre, c'est-à-dire est-ce que c'est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, je ne sais pas. Donc je vais prendre 28, 32, et j'ai bien une amplitude de 4. Indiquer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 4. Alors, c'est du direct. Seignant, tu attends, s'il te plaît. Merci. Non, tu ne peux pas. Non. Indiquer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 4. Préciser un encadrement de la ou des solutions à l'unité. Là, on est donc sur ça. Donc f de x égale 4. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de question. On trace une droite. Oui. On trace une droite qui est horizontale, qui a pour équation y égale 4. Et on observe les points d'intersection avec la courbe bleue. Parce que ici, c'est la courbe bleue qui m'intéresse, c'est la courbe représentative de f. Et on observe un point ici et un autre à cet endroit. Donc deux points d'intersection, cela veut dire deux solutions. D'après le graphique. Préciser un encadrement de la solution à l'unité, ça veut dire avec une amplitude de 1. Alors si j'observe là, j'en ai une entre 2 et 3. J'arrête. Célian, je suis en train de m'enregistrer.
Seigneur, je suis en train de m'enregistrer, donc le maman il va passer sur Internet. Trop drôle. Non, j'arrive dans 30 secondes. Compte. Ouais. Moi, vite. Bon, vous vous occupez des petits frères et petites sœurs et moi je m'occupe de mon fils. Donc il y a deux solutions à cette équation d'après le graphique. La première est entre 2 et 3. Et la seconde entre 13 et 14. Et moi, je vais me souhaiter bon courage, hein, et puis à vous aussi.